السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Donc le sujet, comme il vous a été annoncé, porte sur les vertus et les règles de l'i'tikaf. Hein, cet acte d'adoration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé, voire même quand le prophète a été empêché par des choses de la vie, en l'occurrence un voyage pendant la fin du mois de Ramadan, il n'a pas pu faire cet i'tikaf pendant les 10 derniers jours de Ramadan, il l'a rattrapé au mois de Shawwal. Donc il y a un hadith dans le Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait i'tikaf 10 jours du premier, les 10 premiers jours de Shawwal, et dans une autre version le prophète a fait les 10 derniers jours de Shawwal. Et en fait Ibn Hajar dans le Fath de Fath al-Bari, il explique qu'en fait c'était un rattrapage d'un i'tikaf que le prophète n'a pas fait pendant le mois de Ramadan. Et de toutes les manières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours comme ça. Il était assidu dans et persévérant dans ses actes, et même les actes, et c'est pour cette raison aussi qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 2 rak'at après salat al-asr, et il l'a toujours fait jusqu'à la fin de sa vie, des 2 rak'at après l'asr. Pourquoi? Parce qu'il a été empêché, il faisait toujours 2 rak'at, les prières surérogatoires, ce qu'on appelle le rawatib assidu avant l'asr. Il a été empêché par les choses, parce qu'il était, il avait des choses à faire et qu'il devait faire absolument. Il ne pouvait pas les faire, sallallahu alayhi wa sallam, ces 2 rak'at avant l'asr. Il l'a fait donc 2 rak'at après l'asr pour rattraper les 2 rak'at qu'il n'a pas pu ou réussi à faire avant l'asr. Et après, il a continué à faire les 2 rak'at après l'asr, puisqu'il a commencé à le faire, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une chose qui est propre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à nous, il nous a montré, sallallahu alayhi wa sallam, à quel moment on doit faire ces rak'at. De même pour l'i'tikaf, et je dis bien l'i'tikaf, et je l'expliquerai tout à l'heure, parce qu'on a un petit peu, je dirais, une certaine obsession à chercher ou à vouloir traduire tous les mots. On a cette obsession à vouloir traduire, bien entendu qu'il faut
quand on explique une chose en français, il faut traduire en français. Quand on explique une chose en espagnol, il faut traduire en espagnol. Mais n'en demeure pas moins qu'il y a ce qu'on appelle des concepts, il y a des termes. Des termes qui sont tellement lourds de sens et tellement chargés de signification qu'on ne peut trouver d'équivalent dans la langue dans laquelle on traduit l'italien, le français, l'anglais, l'espagnol, etc. Et il n'y a aucun mal à garder ce mot dans sa langue d'origine tout en l'expliquant, bien sûr. Il n'y a aucun mal. Si je dis « etikef », ça choque qui ? Ça ne choque personne. Hein, ça ne choque personne. Mais ça choquerait si je ne donne aucune définition. Bien sûr, je ne vais pas dire étikaf et je vais commencer à expliquer et à parler des vertus et des règles de cet étikaf sans même le définir. Mais quant à utiliser le mot étikaf, il n'y a aucun mal. Bien au contraire, c'est un mot qui est lourd. Et on va voir tout à l'heure que dans les définitions qu'on trouve de l'étikaf, c'est toutes des définitions qui sont restreintes, voire même elles donnent un sens qui est différent, qui est contraire même du sens étymologique, bien sûr, linguistique, pas dans le sens technique, je veux dire, du mot. L'étikaf, ce mot étikaf, on le retrouve souvent dans le Coran, dans de nombreuses sourates. Dans la sourate al-Baqara, on trouve l'étikaf. Dans sourate al-Anbiya, on trouve le mot étikaf. Dans sourate al-Shu'ara, on trouve le mot étikaf. Dans sourate Ibrahim, on trouve le mot étikaf. Il vient du verbe « akafa ». Il vient du verbe akafa, et akafa en arabe, c'est s'attacher, s'attacher à quelque chose. Akafa, c'est le fait de s'attacher ou de s'atteler à quelque chose. Et c'est le sens qu'on trouve dans les versets du Coran, par exemple le verset où Allah Ta'ala yaqul, ma wa idh qala Ibrahimu, لأبي إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إذ قال إبراهيم إذ قال لأبيه ولقد آتينا إبراهيم رشده le verset précédent et ensuite ce Ibrahim s'adressant à sa communauté il leur dira إذ قال à son père et à sa communauté il leur dira ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون dans la traduction que sont ces statues Ibrahim dit à son père et à sa communauté, que sont ces statues auxquelles vous vous attachez ? Quelles sont ces statues auxquelles vous vous attachez ? C'est-à-dire auxquelles vous vous attachez. Donc l'attachement ici, c'est la traduction du mot « akafa ». S'attacher à quelque chose et rester, se consacrer entièrement à cette chose, c'est là le sens de « akafa ». Et on trouve le mot « i'tikaf » dans le Coran aussi, sourate al-Baqara, en parlant de la maison d'Allah, la Kaaba, quand Allah donne l'autorisation et à Ibrahim et à son fils Ismaïl d'ériger et d'élever cette maison, Allah il dit dans le verset wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaïla an tahhira بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود la traduction et nous confirmons à Ibrahim et à Ismaïl ceci à savoir purifier ma maison purifier tahira purifier ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui font le tawaf, et ils font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Donc Allah, dans ce verset, quand il a confié à Ibrahim, à Ismaïl, la tâche d'élever cette maison, qui est la Kaaba, bien entendu, le rôle de cette Kaaba, c'était que ça soit le lieu autour duquel les adorateurs feront les tawafs, et on n'est autorisé à faire le tawaf autour de aucun autre endroit, aucun autre objet au monde, si ce n'est la Kaaba, c'est le seul endroit où on est autorisé à faire tawaf.
Donc, et là, Allah Ta'ala dit, pour purifier ma maison pour ceux qui tournent autour, ils font retraite, wal-akifun, c'est-à-dire qu'ils font l'i'tikaf dans ce lieu, cette mosquée. On trouve aussi le verset 71 de Surat al-Shu'ara, Surat 26, « Qalu na'budu Ibrahim » alayhi salam, quand il interpella sa communauté, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train d'adorer? Quelle était leur réponse? Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Quand il leur dira, qu'est-ce que vous adorez donc? Ils dirent, nous adorons des idoles et nous leur restons attachés. Et nous leur restons attachés, c'est-à-dire nous resterons attachés dans notre dévotion et dans notre adoration à ces idoles-là, à ces statues-là. Donc, là, voyons le sens linguistique du mot « akafa ». En arabe, c'est quoi? C'est une valeur positive, c'est un verbe d'action, « attacher » ou « s'attacher ». Donc, c'est une valeur positive. C'est s'attacher à quelque chose. Par contre, les traductions françaises, je retiendrai trois traductions. On l'appelle retraite spirituelle, on l'appelle retraite pieuse, on l'appelle retraite rituelle. Dans les trois définitions ou traductions, on trouve toujours le verbe ou bien le terme retraite. Or, la retraite, elle vient de quoi? Elle vient du retrait. Qui vient de quoi? Qui vient du verbe retirer, ou savoir se retirer. Et se retirer, c'est une valeur négative. Pas négative dans le sens qu'elle est nuisible, ou qu'elle est inutile, ou qu'elle fait du mal. C'est dans le sens de, on se retire de telle chose. On se retire de telle chose. On s'isole en quelque sorte. On se tient en retrait par rapport à quelque chose. Ce qui n'est pas le cas dans la définition arabe du mot « i'tikaf », c'est s'attacher à quelque chose. C'est s'attacher à quelque chose. Et là, on voit bien que le sens, il est différent entre une valeur positive de s'attacher à quelque chose et entre le fait de se retirer de quelque chose, il y a quand même une différence énorme. Donc c'est pour cette raison que j'utiliserai le mot « i'tikaf », mais vous comprendrez bien qu'il s'agit de cette retraite qu'on appelle retraite pieuse ou retraite spirituelle. Par contre, il y a lieu de s'attarder un petit moment sur ce terme spirituel ou spiritualité qu'on utilise à tout va. Moi personnellement, je ne connais aucune définition de la spiritualité. Je ne connais. Et voire même, là je viens de lire la semaine dernière une personne que vous connaissez, un charlatan en l'occurrence en l'absence des imams dignes de ce nom, c'est lui qui parle à la place des musulmans, en l'occurrence Malik Chebel, qui dit que la spiritualité est supérieure à la religion. C'est l'Express où je pense où le point de la semaine dernière qui est dans le titre sur la première page, Dieu, ou la foi en Dieu. Il dit la spiritualité est supérieure à la religion. La spiritualité est supérieure à la religion. Je ne sais pas ce que c'est la spiritualité et quant à ce qu'elle soit supérieure à la religion, j'en doute fort que ça soit vrai. La spiritualité, mais il y a quand même quelque chose sur lequel on peut se tomber d'accord quand on parle de spiritualité. Quand on parle des choses qui concernent le cœur, c'est-à-dire contrairement au dogme, l'aqida, qui concerne les articles de foi, ce qu'on appelle le credo, l'aqida, l'i'tiqad, les articles de foi, arkan al-iman, il y a les actes cultuels, les actes d'adoration, les actes cultuels, et à leur tête les cinq piliers, la salat, le zakat, le pèlerinage, le jeûne du mois de Ramadan, etc. Et il y a la spiritualité, c'est cet aspect un petit peu, cet aspect qui relève du cœur et qui fait que l'adoration est accomplie avec une certaine quiétude, avec une certaine saveur, avec un certain repos, avec une certaine épanouissement. C'est ça ce qu'on entend. Si c'est ce qu'on entend par spiritualité, je suis d'accord avec ça. Mais si on entend
par spiritualité quelque chose d'autre qui ne relève ni de l'aqidah, qui ne relève ni de la foi en Allah, et en le jour dernier, dans l'espérance en la récompense d'Allah et la crainte révérentielle d'Allah, ni même l'accomplissement d'actes rituels et d'actes cultuels qu'Allah Ta'ala a institué ou que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a institué, cette spiritualité-là, elle ne fait pas partie de notre religion. D'ailleurs, il faut se mettre une chose dans la tête, et ça, c'est quelque chose, c'est une règle. Hein. Donc, Shaitan, il a une seule stratégie, mais il a deux tactiques. La stratégie, elle est unique, il n'a pas une deuxième stratégie. Il a une seule stratégie, Shaitan. C'est quoi? Comment? Le wuswus, non, ça c'est le moyen, c'est la méthode qui fait, hein, susurrer, hein, l'instigation du mal, ça c'est le moyen qu'il utilise. Mais sa stratégie, c'est-à-dire ce qu'il vise au loin, c'est qu'on soit avec lui dans Jahannam. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah il nous le dit dans le Coran, c'est-à-dire il n'appelle ses partisans qu'à être avec lui en enfer, ça c'est sa stratégie. Par contre, il a deux tactiques pour arriver à cette fin. Et ça, donc, on le trouve, les ulama, ils disent, « Wa shaytanu, alladhi yad'u ila al-inhirafi ani sirat al-mustaqim, da'watuhu ila al-inhirafi ani sirat al-mustaqim, imma bi-shubhatin, ya imma bi-shahwatin. » Il a deux tactiques, soit avec shubha. Shubha, c'est quoi? Shubha, c'est en quelque sorte quelque chose qui ressemble au bien alors qu'elle n'est pas bien. Ou quelque chose qui ressemble à l'obéissance alors qu'il n'est pas obéissance. C'est d'où le mot shubha, c'est-à-dire qu'il y a une ressemblance. On en traduit souvent ça par équivoque, à quelque chose qui soit équivoque. Ou bien par une shahwa. Une shahwa, c'est quoi? C'est quelque chose avec lequel ou avec qui fait jouir, hein, qui fait jouir, soit par les jouissances, soit par les équivoques. Voilà les deux tactiques. Il n'en a pas une troisième. Alors, qu'est-ce qu'il fait? فَإِذَا رَأَى فِيهِ يَعْنِي فِي الْإِنْسَانِ التَّفْرِيطِ حَبَّبَ إِلَيْهِ الشَّهَوَاتِ. Quand il trouve que quelqu'un est plutôt laxiste, est plutôt permissif, plutôt enclin se trouver des solutions ou à se laisser aller. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va lui embellir, il va lui enjoliver la chose, le mal. Hein, il va lui faire aimer ça, lui faire désirer ça en l'enjolivant. Et là, il va le faire tomber dans cette chose-là. Par contre, وَإِذَا رَأَى عَلَيْهِ الْحِرْصِ وَالْمُحَافَظَ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الشُّبُهَاتِ. Et quand il voit que quelqu'un il est plutôt vigilant, il est plutôt attaché à la pratique, très attaché même à la pratique, qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va à ce moment lui introduire les équivoques. Et dans le premier cas, c'est pour le faire tomber dans le péché, la négligence. Et dans le deuxième cas, c'est pour le faire tomber dans quoi? C'est pour le faire tomber dans l'outrance et l'exagération. Donc soit négligence, soit outrance. Et dans les deux cas, il est gagnant. Que Shaitan fasse tomber quelqu'un dans la négligence, il est gagnant, il a réussi. Ou de le faire tomber dans l'outrance, hein, outrepasser les limites, il a aussi gagné. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on parle de la spiritualité, que cette spiritualité soit dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, il y a une personne qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, je veux jeûner, le hadith il est sahih. Et je vous avoue, hein, donc, que je l'ai appris aujourd'hui, je ne le connaissais pas. Et on apprend tous les jours, je suis très content d'être tombé sur ce hadith aujourd'hui. J'ai appris une chose nouvelle. Donc ce hadith-là, il est dans le hadith sahiha, il est dans ce sila. Donc l'homme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, ô messager d'Allah, et donc le sens nous est commun, mais le hadith lui-même dans ces termes, c'est bon à savoir que le prophète l'ait dit et que c'est arrivé. Il vient le voir, il lui dit, ô messager d'Allah, je veux jeûner le vendredi. Le prophète lui dit, d'accord, jeûne, mais ne le jeûne pas seul.
Hein, jeûne le vendredi, mais ne le jeûne pas seul. Et il lui dit, je veux aussi n'adresser la parole à personne pendant tout le vendredi. Il lui a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non. Dire une parole, une belle parole à quelqu'un, c'est mieux que de se taire. Hein, se taire. Et vous savez que dans le Coran, vous connaissez le verset de Sourate Ali Imran, tout au début de Sourate Ali Imran, où Allah dit Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. As-sawm, le jeûne. Hein, le jeûne. Dans les communautés qui étaient précédentes, il y avait différents types de jeûnes, dont le fait de jeûner sur la parole. Jeûner sur la parole, c'est-à-dire ne pas parler toute la journée. C'était une adoration à l'époque de Mariam, hein, et qui n'est plus un acte d'adoration dans notre religion et dans la religion avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Par contre, c'était une religion pour les communautés qui nous ont précédés. Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. As-sawm 'an al-kalam kana mashru'an fi ma sabaqa wa laysa huwa min al-siyam al-mashru'i fi dinina. Donc voyez comment cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit d'accord pour le jeûne, jeûne le vendredi à condition de jeûner un jour avant ou un jour après, mais quant au fait de s'abstenir sur la parole, non, c'est pas bon. Il vaut mieux, tu as toujours quelque chose à dire. Salam alaikum, wa alaikum salam, wa rahmatullah. Tu fais un nasiha à un tel, ou tu orientes un tel, etc. Donc le prophète lui a dit non. Et une fois aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sur le mimbar, hein, il était en train de faire son prêche du vendredi. Il a vu une personne qui était debout, hein, en plein soleil, en plein, je dirais, canicule. Il l'a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Et l'homme en question, dans les hadiths, il y a même son nom qui est indiqué et tout. Et le hadith aussi, il est sahih. Il lui dit, qu'est-ce qu'il fait cet homme? Ils lui ont dit, c'est un tel. Il a juré de jeûner et de ne pas manger et de se mettre au soleil et ne pas se mettre à l'ombre, et de rester debout, de ne pas s'asseoir. Et quelle a été la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc cet homme-là, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, adhunnuhu ismu Abu Israil. Hein, il a dit, donc cet homme-là, il pensait faire un acte d'adoration, c'est-à-dire pour sa spiritualité, pour sa foi, en faisant ces trois choses, rester debout, hein, et rester au soleil, et de jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Mourouhu fal yajlis. Oh, dites-lui, ordonne-lui de s'asseoir et de se mettre à l'ombre. Fa inna Allaha ghaniyun an ta'dhibihi hadha li nafsihi. Ah, il a dit inna Allaha ghaniyun an ta'dhibihi hadha li nafsihi. Il leur a dit dites-lui de s'asseoir et de se mettre à l'ombre, car Allah n'a que faire des souffrances que cette personne est en train de s'affliger. Allah n'a que faire, Allah n'a pas besoin de ces souffrances-là qu'il est en train de s'affliger, de se mettre sous un soleil tapant et de rester debout alors qu'il a la possibilité de s'asseoir. Et les ulama, ils font remarquer qu'il ne lui a pas dit de manger. Pour le jeûne par contre, il lui a pas dit de manger, de rompre son jeûne. Donc pour le jeûne, donc il l'a approuvé en quelque sorte. Par contre, pour le fait de rester debout et de rester au soleil, sous le soleil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a interdit. De là, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien qu'il y a des actes d'adoration qui sont autorisés. On peut se rapprocher d'Allah par ces actes d'adoration-là. Il y a d'autres actes d'adoration qu'Allah ne nous demande pas, qu'Allah ne nous a jamais demandé de faire, ni même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pratiqué. Il se trouve que l'i'tikaf est une pratique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite, et qu'il a faite d'une façon assidue, voire même, l'amal bil khawatim, c'est-à-dire les actes, ils comptent plus par leur fin, comment qu'ils sont clos, comment qu'ils sont finis. La dernière année de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait double de la durée habituelle de son i'tikaf. Il a fait 20 jours.
Il a fait l'i'tikaf de 20 jours durant la dernière année de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soit assidu dans cette adoration montre l'importance de cet acte d'adoration. L'i'tikaf, c'est quoi? L'i'tikaf, la définition technique que donnent les savants, ils disent « huwa al-mukthu fil masjidi bi niyati at-taqarrubi ila Allah ». Huwa al-mukthu fi al-masjidi bi niyati at-taqarrub ila Allah, c'est le fait de demeurer dans la mosquée dans l'intention de se rapprocher d'Allah. Hein, donc l'i'tikaf, c'est le fait de demeurer, hein, de rester dans une mosquée avec l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne trouve pas de hadith qui nous montre les récompenses qu'Allah accorde à l'i'tikaf, comme on trouve pour le jeûne, man sama yawman fi sabilillah, Allah lui accorde ceci cela, man mashal ila al masjid, Allah lui accorde ceci cela, celui qui fait une aumône, Allah lui accorde ceci cela. Donc on ne trouve pas à propos de l'i'tikaf, parce que mais le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait pratiqué de façon assidue, que ses épouses jusqu'à la fin de sa vie et que ses épouses après lui sallallahu alayhi wa sallam l'ont fait et continuèrent à le faire, montre bien l'importance de cette adoration. De même aussi que quand on regarde la définition de l'adoration, quelle est la définition de l'acte d'adoration? Les meilleures définitions de l'adoration, ce sont les définitions que nous donne Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et la définition que nous donne son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Ibn Taymiyyah, vous connaissez tous la définition qu'il donne. Il dit « Al-ibadatu kalimatun jami'atun li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal-a'mali al-dahirati wal-batina ». Donc Ibn Taymiyyah, il nous dit que l'adoration ou l'acte d'adoration, ben, il regroupe en quelque sorte, c'est un terme générique qui regroupe tout ce que Allah aime et agrée comme acte ou parole qui soit apparent ou qui soit intime. Et après, il nous cite des exemples, des actes apparents qu'on fait avec les membres et des actes intimes qu'on fait uniquement avec le cœur, comme la crainte d'Allah, comme l'amour d'Allah, comme le fait de s'appuyer sur Allah, tawakkul, etc. Ce sont là des actes du cœur. Hein. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah, il a un livre comme ça, un gros livre comme ça, qui s'appelle « Al-Tuhfatu al-Iraqiyah fil a'mali al-Qalbiyah ». C'est-à-dire les actes du cœur. Le cœur, il cite des dizaines et des dizaines d'actes du cœur. Ce ne sont pas des actes du corps, mais ce sont des actes du cœur que l'homme musulman, que la femme musulmane pratique uniquement avec leur cœur, sans que les membres, les bras, les pieds, ou la tête, ou le corps ne soient associés. C'est uniquement, comme aussi il y a des actes de la langue, que la langue seule fait sans que le corps ne soit associé, comme l'invocation d'Allah ou l'évocation d'Allah, dhikr et dua, ce sont des actes de la langue. Et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya nous donne une définition de l'adoration. Il dit « L'adoration, c'est la complète servitude ou la complète soumission à Allah avec l'amour infini d'Allah. » Il dit « C'est l'entière et complète servitude et soumission à Allah avec l'entier amour d'Allah. » Et il dit, car si l'homme se soumet à Allah sans l'aimer, il ne l'aura pas adoré. Et si l'homme aime Allah sans se soumettre à lui, il ne l'aura pas adoré. Il faut qu'il y ait aussi ces deux éléments qui soient associés. La servitude et la soumission en suivant les injonctions d'Allah Ta'ala et l'amour, que le cœur soit associé, que la chose soit faite avec amour et avec volonté entière et avec désir de cette personne. Et là aussi, ça nous rappelle une chose, que l'acte d'adoration, contrairement à deux extrêmes aussi, ceux qui pensent adorer Allah avec l'amour seul,
sans qu'il y ait de crainte révérentielle, ceux-là, ils se sont trompés. Parce qu'il y a des gens qui disent que nous n'adorons pas Allah par crainte de lui, ni par désir d'une quelconque récompense qu'il nous accordera, mais nous l'adorons pour lui. Nous adorons Allah pour Allah. Et cette conception de l'adoration, elle est fausse. Elle est fausse. Elle est fausse. On la trouve chez certains soufis. Qui disent ça. Ils disent « La na'budullaha khawfan min azabihi wa la tama'an fi jannatihi. Innama na'budullaha lidatihi. » Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Parce que Allah, dans le Coran, quand il nous parle des prophètes, quand il nous parle des pieux, quand il nous parle des gens bienfaisants, quand il nous parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Yad'ounahu khawfan wa tama'a, raghaban wa rahaba ». On trouve toujours ces deux termes associés, « al-raghab » ou « al-rahab ». « Al-raghab » c'est l'aspiration et « al-rahab » c'est la crainte révérentielle. Tama'a, en étant, disons, avide de recevoir cette récompense et en étant dans la crainte d'être privé de cette récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tels étaient les prophètes et tel était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Quand le prophète a vu une personne faire sa prière, mais la faire de façon incorrecte, on l'appelle ce hadith, hadith al-musi isalatuhu, et il dit, il a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, viens, donc va refaire ta prière parce que tu ne l'as pas faite. Il a fait sa prière, mais le prophète lui a dit, tu ne l'as pas faite, c'est comme si tu ne l'as pas faite. Pourquoi? Parce qu'il la faisait sans disant, se concentrer dans son rukou ni dans son sujoud. À peine son front touche le sol, qu'il se relève déjà, ou à peine que son corps s'incline, qu'il se redresse déjà, donc il ne fait pas l'itmi'nan dans le rukou et dans le sujoud. Et ça, bien sûr, ça invalide la salat, malheureusement. Pour ceux qui ne le savent pas, on doit le savoir, ça fait partie des obligations de la prière. Donc le prophète lui a dit, va refaire ta prière parce que tu ne l'as pas faite. Donc la personne, elle est allée, elle a refait sa prière et il est revenu voir le prophète, il a rappelé le prophète une deuxième fois. Il lui a dit, va refaire ta prière parce que tu ne l'as pas faite. Il l'a refaite encore une deuxième fois de la même façon que la première et la deuxième fois. Et après le prophète lui a dit, tu n'as toujours pas fait ta prière, sache qu'au moment où tu fais ta prière, tu dois faire ci et ça. Il lui a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment faire. Et là, l'homme, quand il a la deuxième fois, la troisième fois, quand il a appelé pour la troisième fois, il lui a dit, j'avoue au messager d'Allah que c'est tout ce que je sais faire. C'est tout ce que je sais faire. « قال هذا ما أعرف يا رسول الله أما إني » dit l'homme « لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ » Il lui a dit « Moi c'est tout ce que je sais faire, je ne sais pas ce que tu chuchotes toi et Mu'adh quand vous parlez, je ne sais pas ce que vous dites. Pour les gestes, c'est les gestes que tu as vus, que tu m'as vu faire. Quant à ce que je dis, il a dit, je lis un peu le Coran, je lis le Coran, c'est Al-Fatiha, je lis le Coran, et je ne sais pas ce que toi et moi, vous chuchotez. C'est-à-dire quand vous dites des choses que moi, je ne connais pas. Il lui a dit, qu'est-ce que tu dis, toi? Il lui a dit, As'alullah al-jannata wa a'udhu bihi minan-nar. Qala hawla dhalika udandinu ana wa mu'adh. Il lui a dit, alors qu'est-ce que tu dis, toi, quand tu chuchotes, dit le prophète à l'homme. Il lui a dit, je prie Allah de m'accorder son paradis et de m'épargner l'enfer. Il lui a dit, sache que c'est autour de ça que nous chuchotons, moi et Mu'adh. Nous ne disons pas plus que ce que tu dis, toi, à savoir quand nous chuchotons, quand nous parlons à voix basse, c'est ce qu'on nous demande, sache, sois rassuré, que c'est ce que je demande, moi, et c'est ce que demande Mu'adh, à savoir de ce hadith-là, on tire l'enseignement que le prophète priait Allah Ta'ala de lui accorder le paradis et priait Allah Ta'ala de l'épargner de l'enfer. Donc cette conception de l'adoration, adorer Allah pour lui-même sans aucune aspiration ou sans aucun désir et de recevoir cette récompense et sans cette crainte, c'est faux. De même que les autres aussi qui pensent adorer Allah Ta'ala rien que par la crainte, s'il n'y a pas cette saveur,
Hein, s'il n'y a pas cet amour, s'il n'y a pas cette dimension de ce repos, de cet asile qu'on trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce réconfort, cette quiétude qu'on trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration n'a pas de saveur et l'adoration n'a pas de goût, hein, n'a pas de goût. Il n'a pas d'effet reposant, elle n'a pas d'effet positif dans la vie de la personne. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle dans un hadith, il parle de la saveur de la foi. Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawat al-iman. Al-halawa, il parle de la saveur, hein, c'est-à-dire l'aspect succulent, l'aspect sucré et doux, hein, la douceur de la foi. Et cet i'tikaf-là, justement, il rentre dans cette catégorie. Il rentre dans cette catégorie d'adoration où la personne va demeurer dans la mosquée, se retirer complètement de la vie, se retirer complètement de sa vie profane, je dirais, même s'il n'y a pas de vie profane, en fait, dans la vie du musulman. En fait, tout acte d'adoration, et on a eu déjà l'occasion d'en parler, tout acte fait par le musulman est considéré comme un acte d'adoration. Vous connaissez le hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, il a cité de nombreuses choses que fait une personne et que Allah considère comme un acte d'adoration. Par exemple, il a dit le fait que quelqu'un ait un seau d'eau plein et que son voisin a un seau vide et qu'il prenne son seau, qu'il verse une partie dans le seau de son voisin, c'est une aumône. Hein, le fait d'être à pied et quelqu'un soit sur sa monture et qu'il fasse tomber son bâton ou sa cravache et tu prends la cravache, tu lui donnes, c'est une aumône. Le fait d'indiquer le chemin à quelqu'un, c'est une aumône. Et le prophète a cité comme ça un certain nombre d'actes qui sont des actes naturels de la vie de tous les jours, mais par le prophète leur a donné cette dimension, cet aspect d'acte d'adoration. Il a dit wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Il a dit dans le rapport sexuel que l'homme a avec sa femme, il y a une aumône. Et là les compagnons étaient étonnés. Donc ça les a étonnés, ils ont dit ya Rasulallah, aw ya'ti ahaduna shahwatahu wa lahu bidhalika ajr. Il lui a dit, comment, ô messager d'Allah, quelqu'un d'entre nous, il a assouvi son désir et il a avec ça, en plus de ça, une récompense? Ah, parce que les autres, d'accord, donner le bâton à quelqu'un, verser du seau, indiquer le chemin, aider quelqu'un, tout ça, bon, ça peut rentrer, le sourire, etc. Mais le rapport sexuel aussi est considéré comme une aumône, ça a un petit peu choqué les compagnons, c'est-à-dire ça les a interpellés, pas choqués, mais interpellés. Et donc, et tant mieux qu'ils aient été interpellés parce que ça leur a permis de poser la question et d'avoir plus d'enseignements. Et donc, il me dit, ya Rasulallah, أَيَأْتِ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَلَهُ بِذَلِكَ أَجْرٍ. Ils ont dit, quelqu'un d'entre nous, et donc il a assouvi son désir, il a avec ça une récompense. Il a dit, أَرَأَيْتَ إِنْ وَضَعَهُ فِي الْحَرَامِ أَلَيْسَ عَلَيْهِ وِزْرٍ. Il a dit, as-tu vu si cet acte-là l'avait commis dans l'adultère, dans le péché? Donc il a assouvi son désir sexuel tout naturel, que tout homme a et que toute femme a, éprouve, hein, et as-tu vu s'il l'avait fait dans le péché, est-ce qu'il sera puni pour ça? Ils ont dit, oh que oui. Il a dit, وَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهُ فِي الْحَلَالِ. De même que s'il le fait dans le licite, il sera récompensé. Hein, donc, conclusion, même un acte profane, complètement mondain, je dirais même animal, hein, que nous partageons avec les bestiaux, hein, Allah, bah, par la dimension et l'intention que la personne donne à ça, et parce que c'est un acte naturel, et c'est considéré comme un acte d'adoration pour lequel la personne est récompensée. Et le fait de manger aussi dans un bon mets qui nous fait plaisir, qui nous rassasie, qui nous fait... Voilà, on mange, on dit bismillah, et en finissant, on dit alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwa ghafarallahu lahu. Allah lui pardonne.
Ah, il mange, vraiment, il mange, il se fait plaisir avec un bon repas, avec un bon mets qu'il désire, et il finit de manger, il se rassasie, bien qu'il ne faut pas manger jusqu'à être complètement répu, parce que ça, c'est une règle importante. Il y a un grand médecin musulman qui a dit, الدواء لو رماد لو رماد ان تجلس الى الطعام وانت تشتهيه وان تقوم عنه وانت تشتهيه. Retenez bien cette règle là. Retenez-la vraiment, elle vous sera très utile. Et moi, je l'ai apprise aussi il n'y a pas très longtemps aussi. Hein. Donc j'étais vraiment debout dans une bibliothèque en attendant une personne. Je regardais dans les livres, j'ai pris un livre. Au hasard, comme ça, je feuilletais, je suis tombé sur ça. C'était un grand émir dans l'époque ancienne. Donc un grand émir, il a regroupé des médecins. Différents médecins, de grande renommée, il leur a dit, chacun d'entre vous, il va me dire quel est pour lui le vrai remède, la panacée en quelque sorte, le remède des remèdes, hein, la mère de tous les remèdes. Bon, il y a un qui lui dit, moi je pense que c'est l'eau chaude. L'eau chaude, vraiment, elle est utile, elle a des vertus, etc. C'est vraiment la meilleure des choses, voilà. Et l'autre, il dit, moi, je pense que c'est telle plante, vraiment, c'est un remède pour tout, elle a des vertus, etc. Un autre, il dit, il y avait un qui était là, silencieux, il n'a rien dit. L'émir s'adresse à lui, il lui dit, toi, qu'est-ce que tu dis? Alors, c'est quoi pour toi le remède de tous les remèdes? Vraiment, le remède miraculeux qui a toutes les vertus, qui est la panacée en quelque sorte. Il a dit, voilà, mais avant de dire ma réponse, je vais parler plutôt. Il a dit, l'eau chaude, oui, c'est vrai qu'elle a telle et telle vertu, mais si on la boit, ça provoque de la diarrhée. Hein, donc, telle plante aussi, elle a telle et telle vertu, mais attention, si elle est mal utilisée, elle peut produire telle, etc. Il lui a dit, pour moi, il lui a dit, le remède de tous les remèdes, c'est de s'asseoir à table et de la quitter avec le même désir. De s'asseoir à table et de quitter la table avec le même désir. C'est-à-dire, en s'asseyant, il y a un désir de manger, et en finissant de manger, le désir reste le même. Pourquoi? Parce qu'on ne mange pas à satiété. On ne mange pas à satiété, et on ne mange pas jusqu'à être répu. Il a dit, pour moi, c'est le remède de tous les remèdes. Et c'est vrai, celui et tous ceux qui observent ça dans leur vie, ils sont bien dans leur corps, ils sont bien dans leur vie. Alhamdulillah. Donc là, je reviens donc à mon sujet, le fait de manger et de se faire plaisir peut être considéré comme un acte d'adoration. Mais l'i'tikaf est ici un acte d'adoration dans le sens où on fait encore un pas plus, on fait un pas de plus, qu'on se consacre, qu'on se rattache entièrement dans un endroit qui n'est autre que la mosquée, entièrement à la ibada. Au point où la personne, bien sûr, Allah Ta'ala, c'est dans le verset de Sourate Al-Baqarah, de Somme, « وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ » Ne touchez pas à vos femmes alors que vous êtes en retraite, en itikaf, dans les mosquées. Il est interdit que donc à l'homme de toucher sa femme ou de le toucher, bien sûr pas le toucher dans le sens, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est dans les hadiths, quand il était en itikaf, Aïcha, elle venait, sortait sa tête de la mosquée et elle le peignait. Hein, il le peignait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle peignait les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc elle le touchait forcément, mais de toucher dans le sens d'avoir des rapports. Et c'est interdit. Il n'est pas autorisé de rendre visite à un malade, alors que les vertus et les bienfaits de rendre visite à un malade sont importants en islam. Mais quand on est en état d'i'tikaf, on ne rend pas visite à un malade. On ne participe pas non plus aux funérailles de quelqu'un, c'est-à-dire le janaza, on ne suit pas le janaza de quelqu'un. Pourquoi ? Pour se consacrer entièrement à la mosquée, à la ibada, à l'adoration, et pour rester dans l'endroit où il y a l'itikaf.
L'i'tikaf dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est 10 jours. C'est 10 jours qui commencent la veille du 21e jour et qui finit après le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan, c'est-à-dire la veille de l'Aïd, en quelque sorte. Il y en a qui vont repousser jusqu'à l'Fajr, mais les savants disent que donc il aura fait, quand on commence au coucher du soleil du 20e jour, c'est-à-dire avant le coucher, au coucher du soleil, c'est-à-dire la veille du 21e jour, avant le coucher du soleil du 20e jour, il rentre dans son i'tikaf, il aura fait la nuit du 21, la nuit du 22, la nuit du 23, et ensuite le mois, s'il a 29, il n'aura fait que 9 nuits, et si le mois il a 30 jours, il aura fait 10 nuits, ou bien il aura fait 9 nuits. Ça, c'est l'itikaf selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les savants, certains disent aussi que il n'est pas interdit que la personne, et ça c'est une règle aussi, mais une règle à utiliser à bon escient. La règle en islam, ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha mastata'tum. Et qui est expliqué par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fantahu. La règle, c'est ça en islam. Ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum. Ce que je vous ai ordonné, faites-en ce que vous pouvez. Faites-y de ce que je vous ai ordonné ce qui est en votre capacité, ce qui est dans vos capacités de faire. Je vous ai ordonné de faire tant de choses, vous ne pouvez pas faire la totalité, faites-en au moins une partie. Ce que vous pouvez dans les limites de vos capacités et de votre volonté. Par contre, ce que je vous ai interdit, abstenez-vous de le faire. Donc la règle, c'est que donc l'itikaf c'est 10 jours, mais à défaut de faire ces 10 jours, l'imam Malik il dit faire un jour et une nuit. Faire un jour et une nuit, rester dans la mosquée pendant un jour et une nuit avec cette intention de se consacrer et de se rattacher, de s'atteler entièrement à l'ibada. Bien entendu, là aussi, il faut faire attention de que la personne, elle soit vigilante. C'est pas que je suis dans la mosquée, après le portable, ça discute, maintenant on a internet aussi, on est là, dans des forums, etc., avec des amis, etc. Non, si on est dans la mosquée, et on ne peut ressentir les vertus de cet i'tikaf que s'il est fait dans c'est vraiment. On ne sort pas, moi je connais des gens qui depuis 15-20 ans, ils n'ont jamais laissé. N'ont jamais délaissé cet i'tikaf. Tous les ans, ils adviennent que pourra, il arrive quoi qu'il arrive, ils ne l'ont jamais délaissé. Ils ont goûté une fois, et puis, alhamdoulilah, c'est un tawfiq min Allah, c'est Allah qui leur a facilité ça. Tous les ans, ils se débrouillent pour trouver 10 jours, se trouver libre pendant ces 10 jours, et les consacrent à l'i'tikaf, parce que vraiment, c'est une adoration qu'elle a un goût particulier. Elle a un goût particulier. C'est quand même quelque chose de se voir complètement découpé, complètement, retiré de la vie de tous les jours. On a l'habitude de conduire, d'aller faire les courses, de faire ci, de faire ça, etc. Toutes ces activités-là, on les met derrière le dos. On les abandonne toutes pour faire une seule chose, rester dans un périmètre fermé, dans un endroit clos, quelque sorte la mosquée, à lire le Coran, à lire, à faire le dhikr, à faire salat, à faire des du'as, etc. La foi, elle prend un élan considérable. Très très considérable, et c'est pour cette raison que je pense qu'on ne trouve pas de hadith qui nous disent voilà la récompense de l'i'tikaf. Sa récompense, en fait, il faut le vivre il faut le voir pour le croire, il faut le vivre pour ressentir quelle est la valeur et quelles sont les vertus de cet acte d'adoration. Donc l'i'tikaf, 10 jours, un jour et une nuit au minimum, ou bien à défaut de tout cela, un moment de la journée. Je ne sais pas, arriver à Dohr et dire, moi je reste du Dohr jusqu'à le Maghreb. Je suis en i'tikaf.
C'est aussi pour certains savants, et c'est un propos qui n'est pas farfelu, loin de là, qui est plausible et qui est admis, qu'on peut consacrer même un instant de sa journée, et c'est considéré comme un i'tikaf. Bien entendu, dans toute chose aussi, il y a l'acte plein, hein, l'acte plein dans la plénitude de sa récompense et de son accomplissement, et puis il y a des degrés moindres, faire une partie, faire une sous-partie, faire une portion de cet acte-là. Non, donc l'i'tikaf ne peut être que dans une mosquée. Et c'est pour ça que même les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient mitoyennes dans les chambres, étaient mitoyennes à la mosquée. Quand elles faisaient l'i'tikaf, elles le faisaient dans la mosquée. Hein? Et là aussi, il faut faire très attention. Je lis ici et là, donc dans les forums, certaines sœurs ou dans les mailing lists, hein, qu'on reçoit, Google Groups, etc., ou Majlis.com, etc., des sœurs qui cherchent dans quelle mosquée les sœurs elles font i'tikaf, etc. C'est pas interdit, hein, c'est pas interdit pour les femmes de faire un i'tikaf. Mais dans toute chose, c'est pas parce que c'est pas interdit que c'est forcément autorisé et que c'est bien de faire. Bien entendu, si la personne n'a pas d'autres obligations à faire à côté, des obligations familiales ou des obligations, faire l'i'tikaf, oui. Et si l'endroit aussi, il est sûr que les gens sont intègres, que les sœurs sont intègres et qu'il n'y a pas de risque qu'il y ait de promiscuité ou de mixité entre les gens des deux sexes, là aussi, tout ça, ce sont des choses qu'il faut, sur lesquelles il faut faire très attention. Hein. Il faut faire très attention, d'accord. L'autorisation de faire ne veut pas dire qu'on le fait n'importe comment et de n'importe quelle façon. Donc ça, c'est juste pour attirer l'attention sur ce fait. Quant à dire c'est interdit aux femmes de le faire, personne ne peut s'autoriser de l'interdire s'il n'y a pas de mal avéré, parce que les femmes du prophète, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ont fait cet i'tikaf après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a par contre un hadith qui pose problème. Ce hadith là dans certains écrits, on trouve que c'est carrément et totalement interdit de faire l'i'tikaf si ce n'est dans les trois mosquées, al masjid al haram ou le Masjid al-Nabawi, ou le Masjid al-Aqsa. Et le hadith, il est très connu, hein, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « L'a'tikafa illa fil masajidi al-thalathati. » L'a'tikafa illa fil masajidi al-thalathati. Donc, ce hadith-là, qui est hadith donc très connu, hein, donc qui est rapporté, donc il y a deux remarques à propos de ce hadith. Pour certains, ils ont essayé de trouver un problème dans la chaîne de transmission, à savoir que ce n'est pas un hadith marfou, hein, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un hadith mawquf, hein, donc c'est un propos du compagnon qui dit que le prophète, il ne dit pas que le prophète a dit ou j'ai entendu le prophète dire, mais qu'on peut penser qu'il ne l'ait dit que parce qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dire. Mais il n'y a pas vraiment. Ça, c'est une première critique par rapport au fait qu'il soit hadith mawquf. Hadith mawquf, c'est quoi? Un hadith mawquf, c'est un hadith dont la chaîne s'arrête, taqifu, hein, auprès du compagnon. Et le compagnon, quand il ne dit pas « j'ai entendu le prophète dire » ou « le prophète a dit », s'il ne le dit pas de façon explicite, on considère deux choses. On considère que c'est un hadith que lui a compris, c'est son interprétation de ce qu'il a compris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien si ce hadith-là a été dit par plusieurs, on dit, la règle, on dit que les compagnons n'osaient pas, ne se permettraient pas de dire quelque chose qui n'est pas entendu
comme la dernière fois quand on avait parlé de Surat al-Asr, hein, et le fait de la réciter avant de prendre congé les uns des autres. On a dit que c'est une pratique des compagnons, et les compagnons, c'est parce que certainement ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dire, ou l'approuver, ou l'affirmer, ou le faire. C'est pour cette raison qu'ils l'ont fait. Ça, c'est le premier pour ce hadith, parce qu'il pose problème. Dans certains livres, nous, pendant un moment, il y a un livre de Cheikh Ali Hassan qui dit que tu lis ce livre, c'est interdit. Tu ne fais plus itikaf si tu n'es pas à la Mecque, ou à Médine, ou à l'Aqsa, l'Quds. Hein, tu ne fais plus itikaf. Alors que c'est faux, l'imam des savants disent que ce hadith, il dit l'itikaf, hein, c'est dans le sens de il n'y a pas d'itikaf entier. L'itikaf, yani kamil. يعني ليس الاعتكاف الكامل c'est-à-dire l'اعتكاف entier et parfait c'est celui qui est accompli dans ces trois mosquées. Il n'y a pas d'اعتكاف parfait que celui qui est accompli dans une de ces trois mosquées. Comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la salata bihadrati ta'am. La salata bihadrati ta'am. Il n'y a pas de prière, dit le prophète, si on doit traduire mot à mot, alors que qu'on s'apprête à manger, alors qu'on s'apprête à s'attabler. Il n'y a pas de prière, si on s'apprête à nous attabler. Et là, dans le sens, il n'y a pas de prière, c'est-à-dire que la prière ne peut pas être parfaite. Parce que on est un petit peu pris par le temps. Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Et non plus pour quelqu'un qui est gêné par l'urine ou par les grands besoins. Quand on a envie de faire ses besoins, il faut commencer par faire ses besoins et ensuite donc se soulager, refaire son wudu et faire salat que de faire salat alors que l'urine nous presse ou les besoins naturels nous pressent. Donc c'est pour ça que la prière elle n'est pas faite de façon concentrée. C'est pour ça qu'il faut se soulager d'abord, se soulager, voilà le terme, et ensuite aller faire sa prière. De même que si on a vraiment faim, et c'est pour cette raison surtout pour le dîner du soir, parce que c'était important aussi à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas comme nous, il grignotait à tous les moments, il disait « Idha hadara al-asha'u wal-isha, fabda'u bil-asha'i thumma al-isha » Si l'asha, c'est-à-dire le dîner, arrive en même temps que l'isha, le kasr al-in, commencez par l'asha, commencez par le dîner, ensuite la prière. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a dîné, etc., bien sûr aussi à condition de ne pas manger à satiété, à être répu, etc., à ce moment-là, on ne pourra pas se lever de la table, au contraire, ça va nous donner de la paresse, ça va encore de relâchement plutôt que du dynamisme. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi? Pour avoir l'esprit complètement vide quand on fait sa prière. Donc là, ce hadith-là, les savants ils disent que Cheikh Al-Uthaymin aussi il dit, il est même Nawawi aussi il le dit, qu'il n'y a rien qui l'interdit. Et la preuve elle est où? Dans le verset de Surat Al-Baqarah qu'on a cité tout au début, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فِي الْمَسَاجِدِ fil masajid, il masajid ici, c'est-à-dire ne les approchez pas alors que vous êtes en itikaf dans les mosquées. Allah ici parle des mosquées, il ne parle pas d'une mosquée précise. Ceci est un dalil qu'il est permis de faire l'itikaf dans n'importe quelle mosquée. Voilà, donc sans rentrer dans les détails des règles. Les règles, c'est quoi? C'est que de l'itikaf, bien entendu, avant tout, niya, c'est quelque chose qui est indispensable, que d'être en état propre, parce que si la personne perd ses ablutions, enfin les grandes ablutions, il doit quitter le lieu pour aller se doucher et revenir, d'accord? Et aussi, parmi les règles aussi, de préférence, voire même pour certains par obligation, que ça soit dans une mosquée où se fait salat al-jama'a et même salat al-jumu'a de préférence.
Pourquoi salat al-jama'a? Parce que s'il le fait dans une petite mosquée où il n'y a pas de salat al-jama'a, donc il va perdre l'ajr du jama'a. De préférence de faire dans sa salat al-masjid al-jami'a. Hein, d'ailleurs, il y a des athars chez les sahaba, ils disent la tikafa illa fil masjid al-jami', dans une mosquée qui regroupe les gens dans la prière, et de préférence dans lequel se fait salat al-jumu'a, pour ne pas être obligé de quitter ce lieu pour aller faire sa prière al-jumu'a. Et puis le reste, il fait tout ce que peut faire une personne, il mange dans la mosquée, c'est pas interdit, il dort dans la mosquée, c'est pas interdit. Par contre, ce qui est interdit, bien entendu, c'est de se comporter sans aucune discipline et sans aucune retenue. Donc il va étaler toutes ses affaires dans son sac de couchage ou je ne sais pas, il peut poser un peu partout, il faut le faire dans la discipline, prendre un endroit, se faire discret, de ne pas, donc sa nourriture, s'il n'a pas mangé la nuit, il ne va pas la laisser dans la mosquée, elle va dégager donc ses odeurs dans la mosquée, etc. Donc il faut le faire proprement, dans la discipline, dans le calme et dans la tranquillité, et là on aura vraiment accompli cet acte. As'alullah ta'ala أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والحمد لله رب العالمين. Donc s'il y a des questions autour du sujet, inshallah ta'ala, tafaddalou. Donc le Hajj nous dit que dans certaines mosquées interdisent aux gens de faire l'itikaf, certaines mosquées interdisent. Donc à savoir, maintenant ils doivent peut-être avoir leur raison, c'est-à-dire leur raison, normalement il n'y a pas lieu de l'interdire, mais peut-être aussi avoir leur raison si les gens sont indisciplinés, ils ne respectent pas l'ordre de la mosquée, ils ne respectent pas la propreté de la mosquée, etc. Et ça tourne plutôt à des retrouvailles entre copains ou entre copines pour discuter, etc. Là, bien entendu, peut-être que les responsables de la mosquée, mais sinon, les mosquées doivent autoriser, surtout si c'est des gens du quartier, bien sûr. Si des gens viennent d'autres villes que tu ne connais pas, etc., tu ne peux pas faire confiance, laisser une personne que tu ne connais pas dans la mosquée dormir. Non, il n'en est pas question, parce que de nos jours, on ne peut pas faire confiance à n'importe quelle personne, même s'il vient barbu avec kamis, etc. Il va te dire, je fais atikaf. D'où tu viens, mon frère? Tu laisses ta carte d'identité, tu laisses tes coordonnées encore, et après, on verra. Mais laisser quelqu'un dans la mosquée partir, tu ne sais pas ce qu'il va faire derrière toi. Donc, pour cette question, Allahu alam. Tfadol. En fait, moi, je voulais savoir si c'est obligatoire de la faire l'artificat. Est-ce que c'est obligatoire? Non, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, c'est un acte méritoire, mustahab. C'est-à-dire que la personne qui le fait sera récompensée pour l'avoir fait, et celui qui ne le fait pas, il n'encourt rien, aucun, il n'est pas blâmable pour le fait de ne pas l'avoir fait, ni même qu'il sera qu'on lui tienne grief ou qu'Allah lui tienne grief de ça, aucunement. Il y a une question d'une sœur. Au passage, je dis que je rappelle simplement que dans notre mosquée, depuis le départ, la porte est ouverte pour ceux qui veulent faire i'tikaf, pour ceux qui n'ont pas encore eu d'informations. Et d'ailleurs, il y a déjà des frères qui sont dans i'tikaf depuis le début de mémoire. Donc la sœur dit, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, l'i'tikaf est-il autorisé pour la femme libre n'ayant pas de contraintes d'ordre familial, entre parenthèses, femme, veuve, divorcée, convertie ou dont le mari est d'accord, dans la mosquée de sa ville, ceci dans la mesure où hommes et femmes sont égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Barakallahu fik. Je commencerai par la fin de la question. Attention, cette mot, les hommes et les femmes sont égaux devant Allah,
Certes, les hommes et les femmes sont égaux devant Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand une fois il a expliqué la façon dont la prière est accomplie, une femme, elle lui pose la question, elle lui dit, est-ce que les femmes, elles font pareil? Il a dit, innama an-nisaa'u shaqa'iqur rijal. Innama an-nisaa'u shaqa'iqur rijal, c'est-à-dire que les femmes sont les frères ou les sœurs jumelles des hommes, c'est-à-dire ce que l'homme fait, la femme aussi le fait. Mais attention, ce n'est pas une règle absolue. Hein, ce n'est pas une règle absolue. Moi, j'ai un livre comme ça, c'est La Sœur a du temps. Je crois qu'il est encore ici. Il y a à peu près 400 ou 500 pages sur les choses ou les dispositions qui concernent les femmes uniquement et particulièrement des hommes. Il y a des choses que les femmes font et que les hommes ne font pas, ou que les hommes peuvent faire et les femmes ne font pas. La règle, c'est vrai que l'homme fait les actes d'adoration et il est récompensé par ça. La femme aussi, elle est assujettie à ces actes d'adoration et elle est récompensée par ça. Mais ce n'est pas une règle que tout ce que fait l'homme le fait la femme. C'est ce genre de règles un peu lâchées comme ça qui a fait qu'aux États-Unis, il y a une petite dizaine d'années, un groupe de personnes complètement égarées ont poussé une femme à faire imam. Elle l'a fait un vendredi, d'ailleurs c'était même pas dans une mosquée, c'est une église qui leur a prêté une salle, mais on fait tellement de bruit dans le net que ça a donné l'impression une femme, elle ne peut pas faire imam, alors que l'homme, il fait imam. D'accord ? Donc, juste comme remarque sur cette règle qui est prise avec, comme ça, de façon absolue. Sinon, je crois l'avoir bien dit, et le hadith, il est dans le Bukhari et Muslim, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait l'itikaf, et jusqu'à la fin de sa vie, et ses femmes ou ses épouses après lui le faisaient. Voilà. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في شهر رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه حديث 24 عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده. هذا الحديث في البخاري ومسلم. Donc عائشة elle dit que le prophète صلى الله عليه وسلم faisait l'i'tikaf les 10 derniers jours du mois de Ramadan jusqu'à la fin de sa vie, et ses épouses après lui, ensuite ses épouses après lui, continuèrent à le faire, c'est-à-dire qu'elles ont continué à faire cet i'tikaf après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui d'ailleurs même les savants ils disent, est-ce que il est de préférence pour la femme qu'elle fasse l'i'tikaf chez elle ou qu'elle le fait dans la mosquée? Ils ont dit non, même si sa prière est meilleure pour elle chez elle, mais pour l'i'tikaf c'est mieux de le faire dans la mosquée, bien entendu ceci avec les règles et qu'on a et aussi les attentions qu'on doit porter au climat et les conditions dans lesquelles cet i'tikaf est fait. Wallahu a'lam. Salam alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. يعني انا السؤال يعني كم من ازواج النبي كانوا احتكفنا في المساجد؟ نعم. يعني شيخ بن باز يرى أن هذه خصوصيات بهم لأن يعني حالهم يعني كان التقوى وكان الخوف والإيمان وحالنا الآن يعني يعلمه الله الحال يعني فيها فرق. Oui, donc le frère il dit que ceci peut être considéré, on peut considérer que c'était particulier à l'époque du prophète, parce que eux ils avaient taqwa, donc c'était autorisé pour eux. Ce n'est pas le cas pour nous. Il n'y a rien qui indique que c'était particulier pour l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas particulier. Par contre, si on est dans une société où les gens n'ont pas le comportement pieux, le comportement pudique,
l'interdit tombe de sens. C'est comme, exactement comme le salam. Il n'y a rien en islam qui interdit à un homme de dire salam alaikum à une femme. Le fuqaha, il n'y a rien. Dans la sunna du prophète, il n'est pas interdit. Par contre, dans une société où les gens sont impudiques et les gens sont un petit peu vicieux, etc., c'est interdit. Et celui qui dit « moi, parce que c'est sunna », non, lui dira « arrête, non, tu n'as pas à le faire, parce que toi, peut-être, tu le fais de façon sans arrière-pensée, et de façon saine, pudique et pieuse, mais d'autres le font par malice et le font par vice. » Ah, parce que c'est une façon d'aborder ou une façon voilà, donc c'est exactement pareil selon la société. Je l'ai dit, je le redis encore, si on est dans une mosquée où règne une discipline de je dirais de pudeur et de respect et que vraiment les endroits sont complètement isolés, il n'y a pas de promiscuité ni de mixité entre les deux sexes, il n'y a pas d'interdit. Hein, d'accord. Par contre, si c'est le contraire, bien entendu, le contraire s'impose. Wallahu a'lam. Salam alaykoum. Wa alaykoum salam. Salam al-Din. Tfadal. Hal wujub an-niyya al-i'tikaf? Niyya. Ah, wajba. Daruri. Ah oui, il dit, est-ce que l'intention est obligatoire? Oui, bien sûr. Le niya, c'est un pilier, c'est-à-dire quand les fuqaha, parce qu'ils aiment bien les fuqaha, ils sont techniques, hein, ils disent les piliers de l'i'tikaf sont en nombre de quatre. Ils disent le premier pilier, c'est niya. Ah, ils aiment bien ça, le fuqaha, de définir les choses de façon un petit peu canonique, de façon un petit peu technique. Ah, donc, c'est un des piliers de l'i'tikaf. Niya, c'est un des piliers de l'i'tikaf. Ici, il n'y a pas cette niya. Mais je ne sais pas, je prends un exemple courant. Quelqu'un, voilà, et ses amis font l'i'tikaf, et lui, il dit, tiens, aujourd'hui, je vais les accompagner. Ah, je vais rester avec eux pour leur tenir compagnie. L'ambiance, elle est bonne, etc. Les autres, ils sont en i'tikaf, et lui il n'est pas en i'tikaf parce que son intention n'est pas de faire l'i'tikaf, mais c'est juste pour tenir compagnie à ses frères ou qui font l'i'tikaf. Voilà. Niya, c'est toujours aller de rigueur dans les actes. Innamal a'mal bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Je vais en profiter pour poser une question. Bismillahirrahmanirrahim. Cas pratique, des frères font l'i'tikaf, déjà maintenant depuis plusieurs années, on ouvre comme ça les 10 derniers jours, et concernant le fait de manger à l'extérieur de la mosquée, parce que nous en fait, à la waqt l'iftar, on est devant la mosquée, soit sous les tentes, soit on met le tapis au sol, et de dormir, par exemple, dans les bungalows à l'extérieur là-bas, un exemple. Hein. Donc, bon... Dormir, bien souvent maintenant ça se fait plus dans un coin de la mosquée. Mais surtout le fait de manger, est-ce qu'il est préférable, comme on a pu l'observer dans d'autres mosquées, où vraiment il y a une organisation qui est de chaque personne en i'tikaf, donc qui est bien repérée, elle ne sort pas de la mosquée, c'est des frères qui viennent, qui lui apportent à manger dans la mosquée, de manière à ce qu'elle reste bien isolée, qu'elle participe pas peut-être au moment qui est, on peut dire, à la fois convivial, le iftar, mais qui fait déjà qu'il sort de la mosquée. Ça peut être un temps qui vient un petit peu le déconcentrer de sa relation. Qu'est-ce qui est le plus sans tomber dans un extrême et sans qu'est-ce qui est le plus déjà pour le manger, les fuqaha, hein, même les fuqaha, les ulama, ils parlent, ils le considèrent que un des cas ou une des causes. Comme le fait aussi de raccompagner sa femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Safiya, elle est venue le voir, donc une fois il était en i'tikaf, elle est restée tard à discuter avec le prophète, et le prophète il l'a raccompagnée chez elle. Donc il est sorti avec elle, il est sorti de la mosquée, il a raccompagné Safiya bint Huyay, son épouse, jusqu'à chez elle, parce qu'elle habitait, elle n'était pas autour de la mosquée, elle habitait loin, il l'a raccompagné, il est venu. Donc il cite les fuqaha ce cas-là, qui autorise de sortir de la mosquée, comme il cite aussi le cas pour le manger, pour quelqu'un qui va manger chez lui aussi, même s'il est autorisé de manger à la mosquée, il peut aussi, il est autorisé de sortir de la mosquée pour manger, aussi les fuqaha
fouqaha parlent de ça. Maintenant, pour le cas pratique qui est le vôtre, le chapiteau, il est juste là, à côté, presque collé à la mosquée. S'il sort de la mosquée pour manger, mieux pour lui, et c'est mieux pour tous, donc il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal, ça ne diminue, Inch'Allah, rien de sa récompense, puisque le chapiteau, c'est ce chapiteau-là à côté. Donc ça ne diminue rien, et ça n'invalide pas le fait qu'il soit à l'itikaf. D'ailleurs, certains considèrent que la clôture, c'est-à-dire tout ce qui est du portail jusque-là, considéré comme faisant partie de la mosquée. Pas seulement les quatre murs, mais même la cour de la mosquée. Quand on rentre et que la mosquée est pleine, on fait tahiyyat al-masjid dans la cour, c'est autorisé. Donc elle fait partie aussi de la mosquée. Oui. Donc elle me dit, est-ce que la femme aussi peut dire salam à quelqu'un aussi? Est-ce qu'il y a juste les mal à tabda'a bis salam les rajoul ou le jar si ama ida wajadat hu jalisan ou kharajat hu wajadat hu amam al manzil? Est-ce qu'il est autorisé à la femme aussi de dire salam à l'homme? Aussi, c'est pareil que l'homme qui, quand il dit salam, c'est autorisé, mais voilà, je me souviens une fois, il y a quelque temps, je ne vais pas citer des exemples particuliers, mais on peut se trouver, c'est-à-dire dans des sociétés où les gens savent que c'est sunna, que c'est naturel, il n'y a pas de mal. Mais si on est dans une société où les gens sont vraiment vicieux, j'utilise bien le terme vicieux, ils ont des arrière-pensées, etc. Ah, elle m'a dit salam, c'est qu'elle a, je ne sais pas. Là, il ne faut vraiment absolument rien à gratter, ni jeter un regard, ni dire salam, ni rien du tout. Mais si on est dans une société, les gens sont normaux, c'est-à-dire qu'ils ont croisé une femme, et c'est la femme du voisin, salam alaikum, à voix basse, sans. Il n'y a pas de mal. Aussi. Il n'y a pas non plus de mal à ceci. Encore toujours, il y a une règle en islam, aussi une règle de usul al-fiqh, ce qu'on appelle ma'alatul af'al. Ma'alatul af'al, il y a des thèses qui ont été faites sur ce travail de thèse, de recherche, ma'alatul af'al, les conséquences des actes. Les conséquences des actes. Parce qu'un acte peut être autorisé, ça, si la conséquence de cet acte-là peut être mal interprétée ou peut avoir des conséquences néfastes, autant ne pas le faire. Donc si le voisin est quelqu'un de, quelqu'un de normal, hein, de quelqu'un de normal dans le sens de quelqu'un qui a un esprit normal, on sait son comportement, mais si c'est quelqu'un qu'on sait qui est vicieux, il regarde, etc., non, il ne faut pas lui dire salam, ça va encore faire très attention. L'être humain, c'est un être humain. Ah non, il ne faut pas jouer avec ça. L'être humain reste un être humain. S'il est sain dans son comportement, qu'il est sain dans sa vie de tous les jours, on peut se comporter de façon saine avec lui, lui dire salam. Mais si on sait que ce n'est pas le cas, rien, non, il n'y a pas de salam. Parce que le salam, dans ce cas, ce serait peut-être plutôt un acte qui va induire à l'haram. Je pense que les choses sont claires, hein, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire des dessins. Hein, ça, c'est une règle aussi, c'est un des principes de usul al-fiqh, sadd al-dhara'i'. Sadd al-dhara'i', c'est-à-dire le fait de, en quelque sorte, d'obstruer les voies qui mènent à l'interdit. Toutes ces voies-là, on a, bien sûr, il ne faut pas trop exagérer et faire outre que ce qui est normal, mais faire le normal pour obstruer les voies qui mènent au haram, ça fait partie des règles de l'islam. Le prophète, il en a le dalil. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parle de quand on fait le wudu, il dit « Wastanshiq wa balir illa an takuna sa'ima ». Il dit, quand tu inspires l'eau avec ton nez dans l'eau d'eau, inspire fort l'eau pour qu'elle rentre vraiment bien dans les narines, sauf, excepté dans le cas où tu jeûnes. Hein, ne le fais pas parce que tu risques d'avaler par tes narines, par tes voies nasales, de l'eau. Hein, donc ça, c'est un délil que Sidd al-Dara'i' et Moujoud et l'imam Malik l'ont fait de ça une règle de principe. Non.
Fadal. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Jazakallahu khair pour la conférence. Oui, yak. Par rapport à. J'ai plusieurs questions en fait. Je me suis dit, c'est la dernière question. Bon, la dernière, c'est plusieurs. Par rapport à l'irtikaf, parce oui. que, alhamdoulilah, Allah m'a facilité, il m'a permis d'être en irtikaf. Alhamdoulilah. Je voulais savoir, parce que tout à l'heure, j'ai eu une chose à faire, une obligation à faire, en fait, un service à rendre pour mes parents. Oui. J'ai dû sortir de la mosquée et faire ce que j'avais à faire, et je suis rentré. Est-ce que. Il faut l'aliyah, il faut refaire une rentrant par rapport à le fait de sortir, etc. Renouveler pour essayer de regarder en fait par rapport à ça. Et Niya, en fait, ce n'est pas un mécanisme, ce n'est pas un processus. Niya, c'est quoi? C'est l'intention. Le fait, quand tu étais de retour, tu avais l'intention. Avant même de quitter la mosquée pour faire ce service à tes parents, faire cette chose-là, tu avais l'intention de retourner. Tu avais l'intention de retourner, de continuer ton itikaf. Donc on n'a pas besoin, c'est comme un peu pour le jeûne du mois de Ramadan, certains rentrent dans des détails techniques, est-ce que tous les soirs il faut renouveler la niya, etc. Ou bien une niya du premier jour suffit pour considérer qu'on a la niya du jeûne du mois de Ramadan. Donc la première niya, elle est valable pour tout le mois. De même pour l'itikaf, si la personne elle a fait une niya de faire 10 jours jusqu'à la veille de l'Aïd, si elle a interrompu cet itikaf pour une raison ou une autre, donc et la niya, ou le fait de retourner dans le lieu où il fait l'itikaf, c'est un renouvellement de la niya, la première niya. Donc il faut pas penser que niya c'est quelque chose qui nécessite tout un travail. Comme par exemple pour salat, il y en a qui quand ils commencent salat, ils disent nawaitu an usalli salat ad-dhuhr. Il y en a qui même qui rajoutent arba raka'at. Hein, donc j'ai l'intention de faire salat ad-dhuhr 4 raka'at. Ils pensent que pour vraiment formuler la niya, il faut vraiment la formuler avec la langue. Or la niya c'est un acte du cœur. C'est un acte, c'est l'intention. L'intention c'est l'esprit et le cœur, si on veut, qui sont associés à cet acte-là. Il n'a rien à voir avec ça. Donc il n'y a aucun problème. Ouais. Par rapport à... Il y a une personne qui m'a demandé parce que son père, son beau-père, n'est pas croyant. Mm-hmm. En fait, il voulait que vous fassiez du'a pour lui. Premièrement, après, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide par le droit chemin. Et cette personne-là, elle prie pas. Et le beau-père, tu peux dire. Le beau-père. Tu veux dire, oui. Le beau-père. Et, oui. Mais il fait quand c'est Ramadan, il jeûne en Ramadan. Mm-hmm. C'est comme ça. Il est musulman? Non. Il n'est pas musulman. Alors, il n'est pas musulman. Il n'a pas dit shahada. Il n'a pas dit shahada. Il n'est pas musulman. Il ne croit pas. Il ne prie pas. Mm-hmm. Mais Ramadan, c'est pour lui, c'est un mois spécial. Et quand c'est Ramadan, il jeûne. Mm-hmm. Et par contre, ils ont dit à l'heure du Maghreb, ils posent le plat, etc., le repas. Et les enfants, ils ont tendance à partir à la mosquée et revenir après. Ils ont dit, est-ce qu'il est préférable pour eux, de ne pas délaisser le père et le beau-père à cette heure-là, à ce moment-là, et de manger avec eux et de laisser la prière marlou, et plutôt favoriser celle du... Ils vont faire salat, ils reviennent les rejoindre, et manger avec lui. Ouais, en fait, ils voulaient savoir, est-ce que c'était mieux de ne pas le laisser seul, parce qu'en fait, la personne, elle est souvent attristée d'être seule, de couper ouais. seule, etc. Et tout. Est-ce qu'il faut... Il préfère, est-ce qu'il doit favoriser en fait le fait de Zamax. Non. Je dirais que non. De façon de la psychologie, sans parler de, c'est-à-dire de la règle. Parce que cette personne, apparemment, le fait d'observer le jeûne, c'est qu'il y a une prédisposition chez lui à observer
les actes d'adoration. On ne sait pas maintenant s'il le fait pour des raisons physiques ou des raisons un petit peu de sa santé un petit peu physique ou sa santé morale et physique qui trouve son bien dans ce jeûne ou un petit peu pour s'associer à l'ambiance, etc. Mais on espère, Inch'Allah, que c'est un signe d'une certaine prédisposition à l'adoration d'Allah Ta'ala. Donc, le fait que ces personnes-là partent faire la prière, ça va lui montrer que c'est important pour eux. C'est-à-dire qu'en plus du jeûne, il y a quelque chose d'autre aussi d'important qu'il ne peut pas délaisser, il ne peut pas déroger au fait d'aller faire cette prière-là. C'est en même temps par la pratique aussi, c'est la prédication. S'il prêche l'importance de la salat aussi. Et après, ils reviennent 5 ou 10 minutes après. Et le repas, il ne va pas durer que 5 ou 10 minutes. Peut-être que lui, entre-temps, il peut le patienter en grignotant un petit peu de dates, etc. Ils partageront le repas avec lui. Et après, ils discuteront avec lui, ils s'ouvriront avec lui, etc. Mais je ne vois pas l'intérêt de délaisser la prière ou de la faire à la maison rien que pour faire plaisir à ce beau-père, ne pas le laisser seul à table. Je ne vois pas l'intérêt, ni pour eux, ni pour lui. Voilà. Dernière question. La dernière question, c'était par rapport à quand est-ce que les check-up, à quel moment ils se terminent en fait? Est-ce que c'est après le Maghrib? À partir du moment où on sait que le lendemain c'est Ramadan. C'est l'Aïd. C'est l'Aïd, oui, j'ai compris. Est-ce que c'est à ce moment-là où... Oui, à partir du moment qu'on sait, donc on peut le savoir qu'une fois que le soleil s'est couché du dernier jour, le 29e jour ou le 30e jour, donc après cette salat-là, après salat al-Aïcha, il quitte la mosquée. Après salat al-Aïcha, oui, de ce jour-là. Oui, bien sûr, il va rester... faire le maghrib ou même après le maghrib, hein, puisque c'est le lendemain, c'est l'Aïd, il peut quitter. Il y en a qui disent aussi après salat al-fajr, mais après, est-ce qu'il aura le temps d'aller chez lui, de se laver, etc. Voilà. Mais s'il aura fait jusqu'à après le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan, il aura fait les jours de Ramadan. Parce que cette nuit-là, c'est plus la nuit de Ramadan, c'est la nuit de la veille du jour de l'Aïd. D'ailleurs, on ne fait pas salat al-Tarawih cette nuit-là. On apprend que le lendemain c'est l'Aïd, on ne fait pas salat al-Tarawih. Voilà. والله أعلم وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وآله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم.